Marseille accueillait hier le séminaire annuel sur le hooliganisme. Des représentants de la police, de la Ligue de football professionnel et des clubs étaient présents pour faire un bilan. Depuis les émeutes de 2009 à Marseille contre les supporters du PSG, la situation semble s'être améliorée. De bons résultats, notamment dus aux multiplications des interdictions de stade selon les forces de l'ordre. Les précisions au micro de Johan Oney. On peut dire que les choses progressent dans la lutte contre le hooliganisme. Il y a beaucoup plus de condamnations et donc de neutralisation de gens qui sont potentiellement des trublions dans les stades, grâce aux interdictions administratives de stade et aux interdictions judiciaires. Des progrès, ils sont énormes. Lorsque vous voyez un match comme hier contre Lyon, qu'est-ce qu'on a eu? C'est quand même des matchs qu'à l'époque, au MOL, ce sont des matchs qui étaient assez élevés. Aujourd'hui, quand vous voyez les deux virages, moi aujourd'hui, je tire un coup de chapeau à leur tenue.